On est dimanche le 24 septembre 2017 et il est presque 4 heures. Je vais aller au parc Mont-Royal avec Martha. Ça fait longtemps que je suis allé voir les tam-tam, donc on va aller faire un petit tour. C'est une journée de canicule aujourd'hui. Alors je voudrais en profiter, c'est peut-être une des dernières fois où il va y avoir beaucoup de monde sur le Mont-Royal. Et après, il y a un 5 à 7 à l'Herbivore encore cette semaine. On va y aller cette semaine pour voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir, c'est quoi qu'ils ont à nous montrer. Et probablement, on va manger un peu là-bas aussi. Nous sommes arrivés au Tam Tam de Montréal, les célèbres Tam Tam de Montréal. Et le parc est plein, il fait vraiment chaud, je ne resterai pas au soleil, je vais aller tout de suite à l'ombre. Oh my God! Je peux continuer, je vais te rejoindre. Thank you.
ici à Montréal, à tous les dimanches, l'été, les gens se rassemblent ici au Mont-Royal, au parc du Mont-Royal, pour faire des tam-tams, relaxer, fumer des joints, prendre de la bière. Et c'est quelque chose qui m'a séduit quand je suis arrivé à Montréal. Et au début, je venais presque à tous les dimanches. C'est de voir tous ces gens qui se rassemblent pacifiquement une fois par semaine. Et tu as des gens de tous les styles. Tu as des travailleurs, des gens qui n'ont pas de travail, des jeunes, des vieux, tous les styles. Et moi, je trouvais ça beau. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu, j'avoue, parce que il y a une habitude qui s'est installée dans ma vie où je n'ai pas nécessairement ici. Mais aujourd'hui, je me suis senti inspiré de venir faire un tour. Je suis content d'être venu aujourd'hui ici. Ça fait du bien de profiter du soleil parce que moi, je sais, étant Québécois, que ça ne va pas durer. Bientôt, il va faire froid et l'hiver va recommencer. Peut-être d'ici un mois, d'ici deux mois, trois mois, je ne sais pas. Mais bientôt, la neige va commencer à tomber. Ici, on profite au maximum de la chaleur parce que ça passe très vite. Et rapidement, ça laisse place à l'automne, qui laisse place à l'hiver, qui dure longtemps, lui. Donc, je suis très content d'être ici aujourd'hui, en ce 24 septembre 2017. On est sur le point de se mettre en route pour aller à l'Herbivore, qui est pas très loin. Donc, on se revoit là-bas. On est juste à côté de l'Herbivore. Sur Saint-Denis. J'ai pensé à ta
C'était beaucoup mieux cette semaine. Franchement, grosse différence. La majorité des ingrédients étaient bons. Il n'y avait pas de préservatif dans la nourriture, même on en a acheté. Martha s'est laissé tenter par plusieurs choses pour ses lunchs de cette semaine. Alors franchement, là, je donne un thumbs up cette semaine pour la dégustation. Ça valait la peine. On a tellement bien mangé qu'on n'a même pas pris quelque chose là-bas. On va aller manger à la maison. De retour à la maison, Martha a le goût de prendre un petit verre de vin ce soir. J'avoue que ça serait bon. Donc on va aller à la SAQ avant d'entrer officiellement à la maison. On a acheté quelques ingrédients qu'on a trouvés à l'herbivore qui était justement en dégustation aujourd'hui. Je pense qu'on va se faire un petit souper avec, il nous reste aussi des légumes et un petit verre de vin en amoureux. Et ça va être ça pour ce soir. Après ça, on va relaxer un peu. Il fait vraiment chaud. Incroyable. On s'est trouvé un bon petit vin biologique. Toujours être vigilant dans tout ce qu'on achète. Ça demande beaucoup de travail au début, mais à un certain point, ça devient naturel. On se prépare à manger notre dernière entrée pour la journée. Donc, tantôt, on a acheté... Nous avons acheté un végé pâté qui a tombé dans les goûts de Martha. Et puis bon, on a acheté des petites tortillas aussi. Donc on a des tortillas toutes simples. Et Martha se met des dattes. Moi, je me suis fait un petit mix avec des tomates, un poivron jaune, beaucoup de persil de mon jardin et un petit citron et que je vais mettre ça à l'intérieur de ma tortillasse. On va acheter aussi un genre de petit saucisson, un faux saucisson. Alors ça, c'est le petit saucisson qu'on a goûté tantôt. On s'est assuré que c'est des bons ingrédients. Donc cette fois, il n'y a pas de préservatif, pas de produits chimiques. Donc c'est sur ça qu'on vous laisse et merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit demain pour un prochain vlog.